Ah, Google Maps. Cette application qui te permet de voyager partout dans le monde sans bouger d'un centimètre. Je sais pas vous, mais je trouve ça incroyable. Mais des fois, les satellites ou la camionnette pour le Street View étaient là au mauvais moment et à capturer des moments drôles, impressionnants ou des fois même effrayants. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder les meilleurs d'entre eux. Bienvenue à tous, ici Maxwell et on se retrouve pour les 10 endroits les plus insolites de Google Maps. Hein, quoi? Ça? Oui, c'est mon lit. Alors, j'ai pas le droit de tourner ma vidéo dans ma chambre. Plus sérieusement, normalement, il y a un décor qui va arriver et j'espère qu'on va pouvoir faire un truc cool. En tout cas, ça devrait arriver d'ici un mois. Bon, nous, on va regarder les 10 endroits les plus insolites de Google Maps et je vous suggère qu'on commence tout de suite par le premier. Hop là, mode satellite. Bravo, vous êtes. Ça y est, on est sur Google Maps. Vous êtes tous déjà allés sur Google Maps. Je pense que vous l'utilisez minimum une fois par semaine pour, je sais pas, trouver un endroit. On m'a préparé des petites coordonnées GPS à taper dans Google Maps. On me l'a préparé, donc je sais pas du tout ce que c'est. On va découvrir ensemble. Ok, nous voilà sur la Terre. On va tout de suite taper notre petite coordonnée GPS. Attention. Quoi ? C'est un logo Batman sur un bâtiment, regardez. Oh, c'est incroyable. Le temps qu'il faut pour faire ça. Regardez, on est vraiment au milieu de nulle part, au milieu de l'océan. Hop là, je zoome. On est dans un aéroport. Et là, tu sais pas pourquoi, mais il y a un méga logo Batman sur un bâtiment. Il y a pas mal de voitures, donc ça doit être quelque chose fait pour le public. On va juste voir s'il y a du Street View. Non, les gars, il y a rien. Bon, bah, il y a pas de Street View. Ça restera un mystère à tout jamais. Et c'est parti. Ok, donc c'est quoi? Oula! Attendez, je vais me faire ban là. Mais comment c'est possible? Les gars, c'est des appartements en forme de croix gammée. Mais les gars, comment ils ont pu faire ça? Tu peux pas dire... Ok, imaginons que t'es ingénieur, tu fais quand même des plans d'en haut, tu fais des plans sur les côtés, ils se sont pas dit genre là, oh ça ressemble à un signe nazi. T'es dans la ville de... San Diego en plus. Pour faire 4 bâtiments comme ça, ça prend minimum quelques mois. Et ils se sont pas dit pendant la construction, ah, on annule. Parce que regardez, c'est quand même flagrant. On va pas traîner plus ici. Hein. Attention, troisième copier-coller. Entrée. C'est parti. Ah, oh, c'est pas loin. Wouah. Mais le nombre d'avions. Attendez, je viens de comprendre, c'est un cimetière d'avions. Mais quand même, regardez le nombre d'avions. Ça fait beaucoup là, non? Déjà, je parie que juste ça là, déjà, ça vaut 1 million. Regardez le nombre d'avions, regardez. Voilà, il y a des avions cassés en morceaux ici. Le cimetière là, il va revenir pour tellement cher. Regardez les avions, en plus, ils sont encore en bon état. Attends, on va tester en 3D. Wouah, trop stylé. Parce que là, il y en a au moins 200, obligé. Imaginons 200 fois 1 million au moins chacun. 200 millions d'euros. Là, c'est impressionnant en vrai, regardez. C'est au milieu du désert, ici, dans le désert de l'Arizona. Maintenant, vous avez l'habitude, hein. Hop là, coller et entrer, c'est parti. Ok, ok, oh c'est en Afrique. Ouh, pas mal. Donc c'est au milieu du désert. On m'a juste mis comme information, dessin mystérieux dans le désert. Donc c'est des tourbillons. Peut-être qu'il y a des croyances extraterrestres qui sont liées. En vrai c'est impressionnant parce que c'est des formes quand même qui peuvent pas se faire naturellement. C'est obligatoirement quelque chose de vivant qu'il a fait. Moi, je pense que c'est sûrement un artiste. Regardez, il y a une ville pas loin juste ici. C'est quoi? Attendez. Wow, l'île de fou furieux. Salut. Mais attends, furieux. C'est quoi ce niveau de richesse là? Ils ont chacun une piscine de plus grosse que ma maison. On en a oublié le dessin carrément. C'est le maison, le truc insolite là. En vrai je trouve ça presque logique, c'est quelqu'un qui l'a fait. Regardez, il y a une route juste ici à côté. Quelqu'un il s'est dit, oh ça, je vais prendre Google Maps, je vais faire des théories. Hop, il se gare là, il va faire le dessin. Et c'est fini. Oh attendez, j'entends un truc. Mais ce serait pas le 5e endroit? Hop là, le petit collet, on connaît. Entrée. C'est parti. Attention. Ah, dans le même continent. Wow. Oh les gars, c'est un troupeau de buffalo. Buffalo Point. Il y avait même un point exprès pour. Alors c'est rigolo parce que des fois, regardez, ils truquent un... Bah je sais pas comment c'est fait, mais on dirait que c'est un peu faux, c'est pas net. Et le seul endroit où il y avait les buffalo, du coup, ils l'ont laissé ici dans Google Maps. En tout cas, il y en a énormément. Imagine, t'es tranquillement dans le désert, tu fais une randonnée et tu tombes sur ça.
Non, en vrai, la nature, c'est impressionnant quand même. C'est rigolo les cornes qu'ils ont. On dirait une coiffure avec la raie là. Actuellement, on n'a eu aucun endroit bizarre dans notre continent, en Europe ou en France. Aux États-Unis, je pense que c'est les rois des choses bizarres. Parce que tu vois des TikTok de gens qui prankent le Street View pour après être dans Google Earth ou Google Maps. J'ai déjà croisé une fois Street View Car. Je l'appelle comme ça, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça. J'étais trop content. Et à l'époque, tu connais, en 2019, je me suis dit, vas-y, je la syndab. Pourquoi j'ai fait ça? Et après, je suis allé regarder le lieu où je l'avais fait. Il m'avait flouté. Bon, je vous raconte ma vie, mais faudrait quand même qu'on passe au sixième endroit. Entrée. Attention, c'est où? Ok, aux États-Unis, bah je vous l'avais dit. Oh, stylé, un petit cœur comme ça. Waouh, en vrai, c'est trop beau. Regardez, petite allée là autour du cœur, petit lac en forme de cœur, je vous l'ai dit au moins 50 fois. Je vous dis ce que les humains peuvent faire, c'est quand même assez impressionnant. Imagine, t'es avec une meuf que t'aimes trop, tu dis je veux l'amener à un endroit romantique. Quoi de mieux que ça? Non mais en vrai c'est trop beau. Après, quand t'es à plat, je suis pas sûr que tu vois quelque chose en fait, tu vois juste un lac. Faudrait l'emmener en montgolfière et l'emmener juste au-dessus. Mais regardez aux États-Unis, comme les routes sont droites, même en campagne. Droit. Regardez! Quand t'étais petit et que le prof de maths il te disait les droites c'est infini, moi je m'imaginais ça, des énormes droites qui traversent tout le monde. On a eu un petit cœur pour le sixième endroit, mais maintenant j'ai envie de voir ce qu'on va voir pour le septième. Entrée, on tombe sur quoi? Encore aux États-Unis, je vous l'avais dit. Attendez. Hein? Quoi? Non, attendez, je vais essayer de savoir c'est quoi. Apparemment, je crois que c'est des espèces de piscines, on va dire, mais avec des substances chimiques. Waouh, par contre, c'est vraiment trop beau. Les couleurs sont trop, trop belles. T'as un désert tout rouge comme ça, c'est sec. Et là, au milieu de nulle part, bah, est-ce que tu sauterais dedans? Tu peux trop confondre. Si jamais, imaginons, il y a des touristes, parce que le désert, c'est quand même... Bon, je sais qu'il y a personne, mais c'est quand même attirant en termes de tourisme. Tu tombes sur ça, tu dis c'est une piscine, ben, en vrai, moi, je me baigne. Je suis peut-être vraiment le seul à vouloir faire ça. En vrai, c'est bien qu'ils le mettent là parce que à côté de ville ou des trucs comme ça, ce serait un peu dommage. Ça prend beaucoup de place et ça pollue beaucoup, je pense. Mais je pense que ce qu'on devrait faire, c'est passer au septième endroit. Et ouais, j'essaie de faire un peu des transitions. Oh, ta gueule. Pour le septième endroit, j'ai une petite info qui a été donnée. C'est qu'apparemment, c'est un cratère d'une météorite. Est-ce que vous avez hâte de voir ça? Bah ouais. Moi aussi, donc on va pas perdre de temps. Je vais juste en contrôle V. Hop là, c'est parti. Normalement, je crois que c'est aux États-Unis. Bah voilà, c'est ce que j'avais dit. Wouah! Énorme! T'es mal cratère! Regardez la taille de la météorite qu'il faut pour faire ça. Tu te rends compte ou pas? Moi, je m'en rends pas compte en fait. C'est toujours les États-Unis en fait. Non, mais en vrai, c'est bien que ça soit tombé dans le désert parce que imagine ça sur Paris. Je pense on réduit la moitié de la population française. Attends, je vais juste mesurer le diamètre du cratère. Mesurer. Sélectionner un point, ok. De là à là. 1 km et 200 mètres. Que c'est bon pour vous. Imagine la taille de la météorite qu'il faut pour faire 1,2 km. Après, je pense que la météorite était quand même plus petite que ça parce que avec l'onde de choc et les débris que ça propulse... Ouais, je fais trop le physicien là. Bon, il y a un petit point de vue, j'ai juste envie de voir à quoi ça ressemble. Wouah! Attendez, mais ça crée une montagne là. Une montagne inversée, un volcan. Mais regardez, ça crée des montagnes. Pour l'instant, c'est mon préféré, parce qu'il est impressionnant quand même. Pour l'instant, parce qu'il en reste deux. Je propose qu'on passe au 9e, tout de suite. 4 V, entrée, c'est parti. Ok, bah en Chine pour une fois, c'est quoi? Wow. Alors, au cas où, il y en a qui n'avaient pas compris, c'est pas des plus-plus, hein, c'est des bâtiments. Regardez-moi ça, il y en a partout. Wow, c'est stylé en vrai, c'est quand même mieux déjà que la croix gammée. Hein. Mais, wesh, il y a un bateau comme ça posé, regardez. Comme ça, en plein milieu de la rue, t'as un bateau. Alors, c'est à Hong Kong, pour ceux qui se posaient la question. C'est un espèce de yacht, en fait. Ou de yacht, si on prononce lettre par lettre. Son écriture, vraiment, elle est incompréhensible. Oh yes, il y a le Street View, juste à le voir de plus près. Waouh. Oh non, le banger. Les gars, c'est un resto. C'est beau, en vrai. Bon, les gars, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais on passe au dernier endroit. Alors, je crois qu'on est parti. Je fais un petit contrôle V. Et let's go. Be proud of you. Et c'est en Amérique du Sud. J'ai eu juste l'info que c'est la piscine la plus grande du monde. Les gars, je la vois d'ici. Wouah. Non, les gars, je pense pas qu'on s'en rende compte. Regardez.
Déjà, je pense que ça, c'est déjà une piscine énorme. Je pense que tu m'offres ça, j'invite toute la ville là-dedans. Hein. Et regardez la taille par rapport à ça. Je pense que tu dois lâcher un truc pour nager une heure là-dedans. T'as la piscine là et vraiment genre 2 mètres après, t'as la mer. Moi je dis Hagra. Les gars, faites un effort. Au moins mettez là un endroit où il y en a vraiment besoin. Vous posez sûrement la question, combien elle mesure? Non, je vais pas vous répondre. Ok, alors mesurez. On met notre petit point juste ici. Les gars, non, c'est fou. Regardez, je fais juste ça déjà. 40 mètres. J'ai trop peur. Vous allez me dire peut-être, allez, 300 mètres. 400 au maximum. 1 km de piscine. L'eau, mais la quantité de litres en eau. Alors, je pense qu'il y a tout le budget du Chili qui est parti là-dedans. Elle est immense. Voilà, c'est bon. Je suis jaloux. Tu vas faire quoi? Espérons juste qu'il y ait une petite photo, hein, parce que ça mérite de l'avoir de plus proche. Sinon... Non mais... Mais regardez la taille! Ah, t'as même pas ça en termes de longueur pour une piscine en France. Là, regarde mec, la taille, tu vois même pas le bout là-bas. T'as la piscine, tu te dis, ah, l'eau, bah, elle est pas trop naturelle, tu vois. Ou tu veux peut-être avoir une balue. Par contre, le truc qui est de fou, par contre, c'est qu'elle est immense. Est-ce que vous voyez une personne ici? Ils ont peut-être trop l'habitude. Bon bah les gars, j'ai pris beaucoup de plaisir pour faire cette vidéo. J'espère que vous avez découvert des choses sur Google Maps. J'ai passé un super moment. On a découvert des endroits quand même stylés en vrai. Go viser les 1000 abonnés. On sait jamais, peut-être qu'un jour ça pourra venir. En tout cas, je vous laisse avec cette belle vue de la mer. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine.